Plug Tribu, c'est reparti. Nous sommes toujours au Maroc pour vous faire vivre dans Plug Tribu le Conti 4x4 Trophy Red Aventure qui nous permet de découvrir eh bien, ces immensités magnifiques du Maroc. Il y a deux jours, on était à Ouarzazate, on a pris la direction du sud en direction de Zagora. Aujourd'hui, on pousse encore plus loin en direction de la frontière algérienne pour nous rendre à Chegaga. Alors bien évidemment, je ne suis pas tout seul, je suis toujours accompagné de la charmante Sophie Pandeville qui pour le coup a abandonné son costume de speakerine pour jouer le rôle de pilote de rallye ou de copilote. C'est solo. Ils sont venus pour cela, pour découvrir le plus grand désert du monde, ou du moins une infime partie. Pour ce troisième jour de raid, le convoi se dirige vers le sud, vers les dunes. Alors aujourd'hui, on va vraiment descendre dans le sud, on va vraiment arriver au bout du Goudron, dans un village qui s'appelle Mahamit. C'est vraiment la fin, depuis le nord de la Finlande jusqu'ici, il y a de l'asphalte. Et ici, c'est fini, ça se termine, c'est le Sahara qui commence. Ça y est, on rentre dans le Sahara. Tout le monde va rentrer seul avec le tripi, toutes les deux minutes. La vraie aventure va commencer dans les dunes, dans le sable. Il y a eu de la pluie la semaine dernière, donc il y a la végétation, il y a des dromadaires qui viennent manger au bord de la route, donc ça va être une aventure magnifique. D'une superficie comparable à celle des États-Unis, le Sahara n'est en fait composé de sable que sur 20% de son étendue. Les 80% restants sont composés de cailloux. Ces parties sablonneuses, ou ergues, alimentent pourtant largement notre imaginaire. C'est chaud hein, quand même. Oh punaise, c'est exceptionnel vraiment des sensations parce qu'il faut prendre de la vitesse en même temps pas trop sinon la bagnole je crois qu'elle décolle et voilà on n'est pas trop cascadeur donc... En fait, c'est trouver le juste milieu entre aller suffisamment vite pour gravir les dunes, mais pas trop vite pour pas taper et s'enfoncer dedans. Quoi. Ouais, c'est vraiment l'éclate. Quoi. C'est mieux que. Ouais, c'est mieux que la foire. Ouais. Faut le dire, c'est mieux que la foire. À chaque arrêt, c'est l'occasion de partager ses sensations. Ils ont essayé en marche avant, mais ça n'allait pas. Ils ont fait marche arrière. Ça. Il y avait de l'adrénaline dans la voiture alors. Oui. J'avais juste peur de l'objectif. Bon, ici qu'il était. Il était vraiment assis là au-dessus. Donc t'avais la roue arrière gauche comme ça. C'est celle que j'ai mis un peu de travers moi. Pas moyen. C'était vraiment extrême. Vraiment chouette. Belle expérience. Tout le monde va le savoir. Alors sauf, je sais pas si t'es au courant parce que nous on était un peu devant. C'est elle qui pilotait, elle a tout passé tranquille. Mais apparemment, certaines équipes se sont pas si bien démerdées que ça. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas vraiment, on est arrivé en plein sur la dune, on le sentait vraiment bien, on est arrivé, on met un peu de gaz, puis là, clac, c'est la calade, c'est fini, c'est terminé. Là, le cratère en dessous de la roue arrière droite, et on ne sait plus bouger. Alors finalement, il y a une équipe de l'équipe de photographes de l'organisation qui est arrivée, et là, on a poussé, on s'est encore enfoncé. Il m'a dit, vas-y, mets-toi en deuxième, pousse, on s'est encore enfoncé. On a un peu gratté du sable, on est parti en marche arrière, on a tous poussé, ça s'est bien déroulé, pas de soucis. Alors toi, t'étais copilote? Est-ce que tu prends une part de cette responsabilité? Non. Je me décharge de tout ça. D'accord. La route que nous empruntons aujourd'hui est l'une des voies les plus connues au Maroc. Elle a permis à des milliers de caravanes d'acheminer jusqu'à Tombouctou, aussi bien de l'or que du sel, que des esclaves ou encore des produits marocains. Notre destination finale s'appelle Chegaga. Là, on est en plein désert, un lieu difficilement accessible. On peut vraiment mesurer l'immensité de l'endroit avec des dunes culminant à 300 mètres. D'ailleurs, on en profitera pour dormir sur place dans des tentes traditionnelles nomades intitulées Reima.
À la tombée de la nuit, c'est l'arrivée à Chegaga, au village Touareg. Une divine surprise après les heures passées au volant du 4x4 sous des températures en plein désert qui flirtaient avec les 40 degrés. C'est juste magnifique, quoi. On est où ? Estombé. Alors là, on est à Chegaga, hein, c'est ça, hein, c'est bien le nom de la ville. On est Chegaga, et donc ce qui est un village typique nomade. Et je pense que les tentes s'appellent donc des Rahema, mais je le prononce peut-être pas très bien. Des teams pour ce bivouac classé 4 étoiles. Musique à laquelle Sophie a résisté au moins 12 secondes. Elle entraîne tout le monde avec elle dans une danse qui se poursuit jusqu'aux petites heures. À l'aube, le réveil se fait en douceur, dans un bivouac calme et silencieux. Les visages sont un peu marqués par la fatigue, mais tout le monde a la certitude d'avoir passé ici, en plein désert, des moments d'exception. A brand new baby was born yesterday, just in time. Parce qu'il n'y a pas vraiment de mots pour expliquer ce qu'on voit, c'est vraiment exceptionnel, c'est grand, c'est beau, voilà, y a trop de mots et pas assez en même temps, c'est un peu compliqué. The doctor gave him 2 weeks to live, I'd give him more if I could. Bon là il est 6h du matin, on est au 4e jour, on a passé la nuit dans ces petites tentes berbères, appelées Rahema je pense, même en arabe n'est pas top, derrière les dunes. Ça fait quoi dormir en plein milieu du Sahara ? Eh bien c'est magique, parce que voilà on a passé une soirée absolument extraordinaire ici. T'as bien dansé hein ? Ah oui, alors là moi je me suis lâchée complètement, et puis de se réveiller comme ça au milieu de nulle part, je pense que voilà c'est une expérience unique et je suis ravie d'avoir pu le faire. They say that new life makes losing life easier to understand. Words are kind, they help ease the mind, I miss my old friend. And though you gotta go, we'll
Derrière moi s'étend sur des centaines de kilomètres le Sahara. Là, pour vous donner une petite idée, on n'est pas très très loin de la frontière algérienne et nous allons prendre la direction du nord-nord-ouest histoire de rentrer à Ouarzazate qui était le point de départ de ce raid aventure. Alors, il faut savoir une chose, c'est que depuis 1994, toute cette région est devenue parc national afin de protéger la faune de ce magnifique endroit. Et on y trouve des hyènes, des mouflons, des gazelles ou encore des reptiles. Et oui, c'est pas parce que c'est le désert qu'il n'y a personne. Juste derrière les montagnes, c'est la fin du désert, donc il est temps d'y aller. L'aventure touche à sa fin. Les esprits sont encore agités par cette nuit féerique en plein désert. Mais il faut rester vigilant tout au long des 350 km de cette dernière étape. Et là, c'est le bonheur total. C'est vraiment génial. Oui, on doit suivre un chemin, mais il y a 15 000 possibilités. Et, enfin, c'est vraiment superbe. En plus, on nous laisse assez de liberté pour quand même bien s'amuser. Bon, on reste quand même prudent, c'est pas nos véhicules, c'est clair. Mais... c'est bien, il y a la combinaison de la liberté et en même temps, c'est quand même bien guidé, on ne raisonne pas. Mais, et puis alors, les décors, quoi, vraiment fabuleux. Les personnes les plus à même d'en parler sont les participants, sur les invités qui sont venus. Je pense que quand on parle avec eux à la fin du Conti Trophy, c'est une expérience inoubliable pour eux. C'est un rêve qui est devenu réalité. C'est vraiment, ils ne s'y attendaient pas. Ils n'espéraient pas ce niveau-là. Ils n'espéraient pas ces beautés-là. Ils n'espéraient pas ces pistes-là. Donc, nous, on est très satisfaits quand on parle fin des 4 jours avec eux. On a que des bonnes surprises. On n'a jamais de déception. Les gens sont ravis. Enfin, tout est magnifique. C'est merveilleux. On arrive vraiment au pays des mille et une nuits. Voici arrivé au bout de l'aventure, au bout de ce Conti 4x4 Trophy. Ça fait 4 jours maintenant qu'on a quitté Ouarzazate, qu'on s'est baladé un peu partout. Et là, on est en train de remonter vers Ouarzazate. On est plus qu'à quelques dizaines de kilomètres. Qu'est-ce que tu retiendras, Sophie, de toute cette aventure? Ah bien, je pense les paysages, hein, les divers paysages qu'on a pu découvrir, que ce soit le désert sec, le désert de sable, enfin même les routes macadamées, les décors qu'on a pu découvrir qui étaient absolument à couper le souffle. Et puis quand même, une aventure en 4x4, ça, c'est... Voilà, maintenant je me sens un peu une Indiana Jones dans l'âme. Et alors, s'il devait avoir une image, un truc que tu retiendrais de ces 4 jours, ce serait quoi? La nuit dans le désert. La nuit dans le désert, le fait d'avoir dansé avec le petit groupe local qui était là, c'était juste magique, le réveil comme ça à l'aube. Voilà, ça vraiment, c'est, j'oublierai jamais ce qui s'est passé à cet endroit, quoi. C'était vraiment magique. Bon allez, on retourne dans la bagnole et encore quelques dizaines de kilomètres à se taper. C'est parti. Gotta go, we'll keep a piece of your... Merci à vous d'avoir suivi ce Plug Tribu. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau magazine de l'extrême. Salut! Bonjour à tous et bienvenue sur Plug RTL. Alors au programme de votre après-midi, je vous propose la traversée du désert, direction chez Gaga, mais plein d'autres choses également qu'on vous prévoit. On a dit pas de speak. Oui, mais si. Non, non. Alors pour ta punition, tu vas me chercher une bouteille d'eau, 250 km de sud-est. Allez. Jeudi sur Plug RTL, présumé coupable, 2 épisodes. Martin Graeme, condamné à...